Salut YouTube, aujourd'hui on teste un nouvel encodage pour la vidéo, mais vous en foutez, vous avez la bonne qualité. Mais c'est les glandus là sur Twitch, ils sont contents, ils gueulent parce que c'est pas assez joli. Alors du coup je suis obligé de me casser le cul à faire de la configuration. Mais je les aime, je les aime. Subez à la chaîne, hein, oubliez pas. Hein. Oubliez pas, allez hop c'est parti, je sais plus ce que je faisais. On n'est pas des glandus, mais si vous êtes des glandus. Sinon, vous iriez sur YouTube et vous mettriez des commentaires sous la vidéo en disant « Ah là là, qu'est-ce qu'on t'aime? Qu'est-ce que tu es beau? Vas-y, fais-nous l'amour. » Ouais. Dans mes rêves, dans mes rêves, ça se passe comme ça. Mais augmente le son du jeu par contre, mec. Je Voilà. mettrais bien quelque chose sous la dent. Ah bah c'est beau, hein? Alors chez moi, c'est beau. Ah oui, alors YouTube, il y a Genius qui vous a dit au revoir la dernière fois, mais c'était trop tard, donc voilà. Non, bah, elle vous présente ses hommages, et aujourd'hui, elle vous dit salut. Meilleure personne. Hein. C'est quoi ma chaîne? Ma chaîne, ça s'affiche un petit peu de temps en temps, blabla en dessous. Mais c'est slash TonyobFR sur YouTube, n'hésitez pas. Hein. Bon. Tout ça, c'est bien joli, mais on en est où? Ah oui, c'est vrai qu'on avait débloqué... la grande couille là. Et là je sais plus. Qu'est-ce que quoi qu'est-ce qu'on a à faire? Alors la tâche principale, faut que j'aille à Méridian là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui non 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 non. La vengeance. Il a tué le papa. Allez, on va aller faire ça. De tuer le papa, ça fait longtemps là que je veux le faire là. Donc let's go pour le tuage de papa. Merci Genius pour le lien dans le chat. Meilleur modo hein, Genius. Hein. Quand elle troll pas. Quand elle troll pas Genius, c'est la meilleure modo. Est-ce que Blacky est là ou pas? Est-ce que Blacky et Bibi sont là ou pas? Hein? Tu n'es pas en live sur YouTube. Mais non, je publie les VOD sur YouTube. Ah non, bah non, non. Ah non, 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 je suis en live que sur Twitch. YouTube, c'est les VOD. C'est quoi là-bas? Allô? Mais c'est normal? C'est normal qu'il y ait des robots machines là qui font la taille d'un immeuble? Moi le truc qui fait la taille d'un immeuble là j'ai pas envie hein. Ah non, non, non. Quoi? Putain, mais je vais pas au bon endroit. Et YouTube, abonnez-vous à Tony Up, s'il vous plaît. Ça ferait très plaisir. Sinon, tonton poussin rouge se met en colère. Oh là là. Alors, je suis désolé de te le dire, mais avec ton pseudo, ça fait moins peur. Il m'a vu. Mais je crois que je vais les éclater. Ouais, non. Attendez, mais il y a... Non, mais moi, j'ai pas envie. Il y a le truc qui est énorme, là. C'est quoi comme niveau, la vengeance d'une fille? Niveau 15?
Allez. Vas-y. Vas-y à l'œil. Allez. Toi t'es mort. Eh bien. Joli. Allez. C'est bien, elle a fait son pote. Merde, il est où? Allez. Quand tu te déplaces, le jeu devient toujours rugueux graphiquement. Oui, quand je m'y mets, je m'y mets. Ah, bah est-ce que par contre c'est est-ce que c'est mieux ou c'est toujours dégueulasse, crado, moche. Ou est-ce qu'il y a quand même de l'amélioration par rapport à ce que c'était? Y'a un marchand là. C'est quoi là? C'est le problème avec ce jeu. C'est le truc là-bas? Au loin là? Dans ton pays loin là-bas. Pour moi c'est pareil. Oui mais toi tu vois en mauvaise qualité. C'est normal, faut se mettre en source. Là c'est vraiment pour les personnes qui sont en source. La qualité est super, me dis pas ça, non mais j'y crois pas. Ah, ça me ferait plaisir, hein. Ça me ferait plaisir Poussin, mais j'y crois pas. C'est ça, en 160p ça doit être pareil. Tu me jures sur ta tête, c'est nickel. Ouais mais c'est pas ce que dit Genius. Je saurais quoi en faire. Ah, faut vraiment que j'aille par là quoi. Faut vraiment que je me tape le truc immense là. Mais jamais je l'affronte. Hein. C'est plus fluide, mais il y a des paires de pixels. Ouais, après c'est normal hein, c'est normal, enfin sur Twitch ouais, on est obligé de streamer. Avant il y avait du stutter, oui c'est vrai. C'est vrai que j'en ai moins. Mais est-ce que c'est parce que je suis dans cette zone là? Toi c'est nickel, bon bah ok, déjà c'est pas mal. Merci. Mais oui effectivement ça... Mais j'avais les stutters de mon côté aussi hein, c'était le jeu... Mais est-ce que c'est parce que je suis dans la zone là où... Gueule d'orage. Lance-disque. Jamais j'attaque ce machin là tout de suite hein. Jamais hein. Y'a des mecs. Ils sont complètement cons. Ils vont pas attaquer le gros machin. Mais si. Putain, faut que je les aide quoi. Il m'a vu ou pas? Merde.
Il m'a vu. Il m'a vu. Merde. Oh là là, tout à côté. J'ai tout mis à côté. Non. Ah, tu me touches. Merde. Oh merde. Allez-y les copains là. Il serait peut-être temps de vous faire déglinguer aussi hein. Merde, c'est pas appuyé sur le bon bouton. Ah. Ok. Attendez, je vais lire votre petit message. J'ai toujours raison de toute manière, c'est vrai. Pour te répondre, pas de news. Daël, par contre, j'ai croisé mon élève qui transitionne et donc je l'ai nommé par son nom masculin. Je pense que je suis, malgré moi, la première officialisée. Je me suis pas trompé, tellement de joie dans sa réaction. Et il est tellement plus épanoui, 14 ans, je suis heureuse pour lui. C'est cool, c'est tellement cool. Pour notre bled, c'est une révolution, c'est clair. À mon avis, savoir que je le récupère pour sa troisième et qu'il est avec ses copines, cette touche perso. Je lui ai fait sa journée. Trop bien. C'est cool. Bon, du coup. Ah, attendez, parce qu'il faut que je retabasse les oiseaux, là. Non? Bah ouais, il va falloir que je me retape les oiseaux. J'ai pas envie de me retaper les oiseaux, quoi. Bon, en même temps, les oiseaux, ça va, c'était simple. Les oiseaux sont vraiment sensibles au feu. Vous leur mettez une petite fléchette. Vous leur mettez une petite fléchette. Vous leur mettez une petite fléchette. Voilà. Là il est vénère. Et là il revient. Hop. Merde. Il est parti. Il a disparu. Putain mon petit pote, comment je t'ai défoncé toi? Oh connard. Mais pourquoi ils sont plus? Non mais non, trop tard. Trop tard, je suis trop lent. Allez. Ça du dégage. Merde. Hop, vas-y. Vas-y à l'œil. Allez. Ouf, putain, je suis pas loin. Je suis pas loin de mourir. Merde. Je croyais qu'il allait monter plus haut que ça.
Allez. Oh là là, mais il bouge à ce moment-là. M'en fous, Aros. Allez. Allez, c'est bon. C'est ok. C'est bat. Les étincelles, on les aime. Comment ça, hein? Quelles étincelles? Mais pourquoi il y a une tempête de sable là maintenant? Ah, les étincelles, c'est le nom des machins. D'accord, ok. Ça y est, je viens de comprendre. Les oiseaux, ouais, non, ça y est, je viens de voir en fait. Dans le fouillage. Dans le fouillage d'étincelles. J'ai compris que c'était le nom des petites babaites. Allez, on va aller. Alors cette fois-ci, je pense qu'on va pas. On va pas essayer de le buter. Oh, très utile. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on va passer à côté. Et si des mecs sont assez débilos pour le bait et essayer de le buter, et bah libre à eux, hein. Mais Ah, mais moi c'est non, hein. Moi je me bats pas contre le gros machin là. Je lui ai fait combien au gros machin là? Un tiers de sa vie? je lui ai foutu la moitié de mes armes dans la tronche. Et il est resté la moitié de sa vie, hein. C'est quoi les deux gros trucs à l'arrière là? C'est même pas des points remarquables en fait, les machins là, quoi. Donc là il y a les lance-missiles, là il y a la queue, ok. Ah, les mecs sont pas là cette fois-ci. Cette fois-ci les mecs sont pas assez cons pour aller à une mort certaine, quoi. C'est bien, hein. Ils ont compris. Encore des piou-piou. Enfin, il y a les piou-piou, ils vont encore m'emmerder. Mais non, l'autre il m'a vu là. Parce que eux, ouais, non mais voilà, il y a les piou-piou. Et c'est gros que, comme il y a une maison, que les piou-piou ils vont dire, hé, regarde gros machin. On a vu quelqu'un là. Est-ce que... Non mais arrête. Oh, ils sont 4! Merde, je suis tombé. Merde, je suis tombé. Mais non mais... Arrête de tirer aussi mal. Aïe. Salaud. Il m'évite ou quoi? Il m'a griffé. Mais non! Mais non! À l'œil. Ah, mais merde, c'est pas possible. Allez. Un de moins.
Aïe! M'emmerde lui hein. Allez, coup critique. Toi, tu dégages. Oh là là, mais... Ok. C'est bon. Ça a fait des étincelles, hein. Quelle blague. Surtout si vous aimez mes blagues, n'hésitez pas à me le dire. Hein. vous avez le droit de me mentir. Hein. Ok. C'est beau, hein. Il est beau le jeu, mais regardez ça comment il est beau le jeu. C'est indécent. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait un jeu beau comme ça, quoi? Mais tu... Aloy, tu vas ramasser ou pas? Allô? Je crois que Aloy, elle est cassée. Elle veut plus ramasser les trucs. Vas-y. Et là? Non bah non. Non bah là, elle veut pas ramasser. Ok. Non mais c'est pas grave. Le droit de te mentir, c'est réaliste. Bah oui. Petit lapin. Regardez, il y a un petit lapin. Vous avez vu le petit lapin? Il est mignon le petit lapin. Hein. Ouais, j'allais dire... On sait jamais, ça peut servir. Il a failli avoir le droit de vivre, le petit lapin. Parce que je considère qu'à partir du moment où il évite toutes mes flèches, c'est qu'il a le droit de vivre. Ça se conserve. Alors, qu'est-ce qu'on a... Si on pouvait avoir une... Ah, il y a un feu de camp là. Parfait. Enfin, il me semble qu'il y avait un feu de camp. Et il est là. Il fait plus frais. La nuit arrive. Hop. La charognarde, elle cherche des pièces. Ah, c'est que du charognard en face là? Pourquoi je dis en face? C'est mis un double coup. Ok, donc charognarde, c'est fait. Je vais re-sauvegarder. Bon. Donc là c'est les dodos, là c'est machin, mais je peux tout pirater en plus maintenant. C'est précieux.
Mais non, mais comment ils ont fait pour me voir? Ah, les hautes pattes, je peux les pirater, je crois, non? Je crois que les hautes pattes, c'est piratable. Voilà le rocher solitaire. Non, mais restez là! Restez là! Restez là! Merde. Ouais, je peux maintenant, je crois. Les cornes filantes, je suis pas sûr par contre. Allons regarder maintenant qu'on sait comment faire. Cornes filantes. Piratage débloqué. Ah. Et va attaquer les autres. Je peux monter dessus ou pas? Non. C'est là où il faut que je vais? Oui, c'est là où il faut que je vais. On dirait un avant-poste ordinaire. Je vais explorer les lieux. J'en ai marre. J'en ai marre d'en avoir marre. Moi, j'en ai marre que tu dises que t'en as marre. J'en ai marre que tu te plaignes que j'en ai marre. Je me plains pas que t'en aies marre. Je me plains de... Halt, on ne passe pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais caca. Le préfet Zaïd m'a dit que des bandits avaient enlevé une fille par ici. Vous savez où il l'aurait emmenée? Ah ouais, Zaïd t'a dit ça. Il n'y a pas de bandits dans le coin, ma jolie. Mais je peux t'aider à retrouver ta copine. Le chef nous en a envoyé une autre. Attrapez-la. Je m'en doutais. Et attachez-la. Allez, attention. C'est tout ce que tu sais faire. C'est beaucoup de temps, là. Ouais, toi, t'es mort. Bon. Voyons ce que Zaïd cache par ici. Voilà, merci. Hein. Je prends les trois bolos là. C'était tout. Parce que bon, vous aviez pas l'air super doué quoi. Hein. Je vous en ai un peu foutu plein la gueule. Ah, c'est vraiment les cabinets, ça. Faut que j'aille où, là? Ah bah oui, mais faut que je... Mais oui. J'ai compris. Bah non, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des chaînes dans ce chariot. Ok.
On court comme des poulets sans tête dans les, ces jeux récents. Mais pas du tout, regarde. Il suffisait juste de lire. Pas que des chaînes, des entraves. Ils allaient emmener les prisonniers ailleurs. En même temps, les traces du chariot, là, on les voit bien. Hein. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin du focus hein, pour voir les traces du chariot, là. Un feu de camp ? C'est bien les feux de camp. J'aime bien les feux de camp. C'est là où je peux sauvegarder. C'est... Ah non, je me trompe de bouton. Faut pas que j'oublie de prendre mes bâtons. Oublions pas les bâtons. Hein. Ça serait une grave erreur. Le feu de camp, toujours très discret. Hein. Louis Croavé bâton. C'est quoi ça? Désolé, hein. J'ai vu un truc qui bougeait, j'ai tiré. Hein. Je suis un bon chasseur. Parce que vous voyez, moi je vois un truc qui bouge, et bah je tire. Mais je suis un bon chasseur. Un mauvais chasseur, il aurait vu un truc qui bouge comme ça, bon, il aurait tiré, mais ça aurait été un mauvais chasseur. Alors que moi, bon chasseur. Un dodo ? Encore un feu de camp ? Ça m'aidera. J'espère bien que ça t'aidera. Hein. Eh, on fait. Alors, je viens de m'apercevoir d'un truc, on fait moins de bruit en faisant des roulades. Regardez, les roulades, c'est moins de bruit que quand on court. Vaut mieux faire des grosses roulades que courir dans le jeu. Si on veut être. Si on veut pas se faire repérer. Oui, je fais le dindon super bien. Mène à ce bâtiment. Nakoa est peut-être à l'intérieur. Ah, peut-être sauvegarder, hein. Oula, il y a du monde. Il y a du monde, mais ils sont pas beaucoup, quoi. Est-ce que je peux pas me mettre à un point stratégique? Genre en hauteur. Et leur casser la gueule depuis la hauteur. Discrétion sur 20. Attendez. Ah voilà, regardez. Regardez. Oh non, me dis pas que c'est un mur invisible de merde. Non, c'est bon. Je te marque.
les autres, ils ont rien vu. C'est parfait. Un là-bas. Est-ce que je peux l'avoir ? A priori, oui. Les autres, ils sont aveugles. Hein. Je suis encore tombé sur des ennemis bigleux, quoi. Captain Bigleux. Fait chaud, là. Non, je ne suis pas content de tuer des êtres humains. Me faisais pas dire ce que j'ai pas dit. D'accord, vous allez. Vous m'avez l'air d'une belle bande de gros connards, hein. Bonjour. Ah merde, ils vont pas pouvoir l'avoir. Oh non! Quelle honte! Faut que j'aille vite, hein. Merde. Oubliez-moi. Oubliez-moi. Allez. Toi, tu dégages. Personne. J'en ai assez. Allez, je te marque. Coucou. Hop là. C'est cool, on a fait ça en mode sneaky, c'était sympa. J'aime bien finalement. Au début, j'y allais comme un gros bourrin. Mais en fait, avec les êtres humains, c'est cool d'y aller doucement. Il fait tout noir. J'ai peur, il fait noir. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ah, il y a l'autre là-bas, mais je sais pas comment... Ah, on peut monter, ok. Et les escaliers. Hop. Ok. C'est tout, hein. On les a tous butés. Des prisonniers. Enchaînés pour être vendus comme esclaves. Oh, c'est la meuf. J'ai pas envie d'aller. J'ai pas envie d'aller lui parler. Je crois qu'il y avait un truc ici avant. Non. Ah non. Ah peut-être. Ah
Ah non, c'est là où fallait aller en fait. My bad. Ah mais fais pas des roulades dans les escaliers, c'est super dangereux. Alors, voyons. Nakoa, Yann m'envoie. Je pourrais t'expliquer une fois qu'on aura sorti tout le monde de là. Yann t'envoie ? C'est incroyable. Une de ses prières a finalement marché. Ouais, une prière. Je vais aider les autres. Au travail. Ça fait tabasser quand même. Pitié. Parle à Nakoa. Elle saura quoi faire. Je viens d'y parler. Ah, on va se faire re-attaquer, c'est ça? Je vois bien une re-attaque. Qu'est-ce que j'ai pris comme flèche? Ouais, voilà. Petite cinématique. Je savais que tu me causerais des ennuis, jeune fille. Mais ce que tu me rapporteras vaut bien qu'on se fatigue un peu. Ah, c'est un connard, finalement. C'est terminé, Zaïd. Pour toi et tes hommes. Merde, mais qui est con ? Hop, ça c'est bon. Allez. Allez hop. Coucou Blacky. Comment ça va Blacky ? C'est bien fait pour ta gueule. T'es vraiment un gros connard. Ah oui, ah bah ça, toi tu vas te faire transpercer. Celui-là ne méritait pas une mort brève. Mon père était chasseur. Il m'a appris que tous les animaux méritent. Bien joué. Comment est-ce que Zaïd est devenu trafiquant d'esclaves ? Ces barbares que tu as tués, massacrés sur ordre de Zaïd pendant les raids rouges. Le nouveau roi Soleil les a exclus de l'armée. Zaïd a réussi à s'en tirer par ses mensonges. Et il a vu un bon moyen de gagner des éclats en mettant ses hommes au travail. Comment Zaïd t'a capturé ? J'ai essayé de l'attaquer au rempart, mais j'ai échoué. Il m'a laissé partir pour que ses hommes puissent ensuite me capturer. Et après ? Il disait qu'il allait me vendre comme esclave, comme tous ces malheureux qu'on amenait ici toutes les semaines. Mais il a pris son temps. Il me battait à chaque fois qu'il venait par ici. Ma tentative avait blessé son orgueil. Ça va, pas trop secoué ? Ça va aller. Tu es sûr ? Zaïd est mort. J'étais prête à faire n'importe quoi pour l'éliminer. Et c'est fait. Qu'est-ce que tu vas faire ? Les autres sont restés enfermés des mois. Plus leur santé se dégradait, plus Zaïd avait de mal à les vendre. Ils ont besoin de nourriture, de repos et d'espoir. Je vais les mener à Méridian et m'occuper d'eux. Tu ne vas même pas essayer de rentrer ? Et Yann, alors ? Les matriarches m'en empêcheront. Même si elles acceptaient, je n'irai pas. Elles peuvent bien crever. Quant à Yann, je sais comment lui passer un message. Il va me manquer. Mais il saura que je vais bien. Matriarche, ils sont pas super bien vus. Hein. Merci Blacky pour ton sub, le 7e mois d'abonnement. Plus que 2 mois avant les bébés. Non. Enfin, si peut-être. Enfin, peut-être pas. Enfin, on sait. Comment vont Pif et Hercule aujourd'hui ? Non, c'est Harry Potter et Albator. C'est Harry et Albator. Il faut que j'y aille. En fait, je ne te connais même pas. Mais tu dois être exceptionnel si on t'aime une chercheuse. Si tu veux me raconter ton histoire, viens me voir à Méridian. J'y resterai jusqu'à ce que les autres soient remis d'aplomb. En attendant... Les balles à frais. Merci.
Merci de m'avoir aidé à éradiquer cette ordure. Peut-être que je vais enfin pouvoir oublier Zaïd et faire le deuil de mon père comme il faut. Bah, je te le souhaite, meuf. Dès que les autres sont prêts, on... Oui, non mais... Merci ouais. Encore. Je veux fouiller, fouiller Connarman. Ici, c'est le seul stream où on parle des babales du streamer. Les visages inexpressifs de jeu. Ça va. Ah, mais j'ai gagné combien de points? Merde, j'ai pas regardé. Enfin, j'ai gagné vachement de points avec cette quête en fait, non? Oh! Un mug! Il faut que j'aille récupérer le mug, évidemment. C'est ça. Un projecteur. Mais est-ce que j'ai déjà fait les projecteurs ou pas? Sous les projecteurs. Je suis où? Ah non, j'allais dire, est-ce que ça se trouve, il y a le long coup qui est pas loin. Mais non, le long coup, il est... Il est à Tatooine. Pourquoi j'y suis pas allé, là? J'en ai un qui est pas très très loin, par contre. Putain, c'est quoi, là? Non, mais il y a des animaux... Il y a des animaux, là! Ah. Je pense pas que je puisse traverser direct en fait pour aller chercher mon mug. Si je fais le détour par là. Ouais non c'est long. J'ai pas débloqué les feux de camp ici. Mais j'ai pas débloqué celui-là non plus. Oh là là mais quel nul. Quel gros nulos. Comment ça va moi, toujours fatigué sous la couette pour changer? Ah bah faut faire d'autres choses là hein. Vas-y on retourne là. Sauvegarde là. Non sauvegarde. Pas de tambourine le truc quoi. Et donc là, je vais là déjà. Il y a un truc qui m'interpelle. On est déjà les oiseaux sont pas revenus déjà. Bonne nouvelle déjà, il n'y a plus les oiseaux. Ce serait pas un camp là? Je sais pas. Pousse-toi bien Blacky, je t'envoie le peu d'énergie que j'ai. Ah bah non, commencez pas à déshabiller Pierre pour habiller Paul quoi. Chacun garde son peu d'énergie. Et on essaie de tous se faire un Genki-Dama. Et en partager. Il faut tout partager. On va pas tout donner, on va partager entre nous. Enfin une collecte. Qui a Pinou là? C'est bon que je me barre? J'espère stream ce soir, j'ai envie de Pikmin, mais j'ai pas rebranché la Switch, j'ai vérifié les connexions depuis le changement de bureau. Ça devrait le faire. A priori. Comment ça vivement que tu te barres? Ah mais ça pue le traquenard leur truc là. Au moment où je vais passer au milieu, ça pue. Oh. Sont les deux... Oh, d'accord, il y a les grands fronts à droite, ok. On va fermer la porte. La qualité était bien dégueu. Comment ça?
Non mais par contre me trollez pas sur la qualité, ça me fait tellement chier que y a un stream dégueulasse quoi. Enfin j'essaie de faire un truc à peu près quali quoi. Ah à un moment, bah oui mais de temps en temps ça arrive. Avant que je parte en vacances, le dock de la Switch était en erreur. Comment ça il était en erreur? Comment ça peut être en erreur le dock de la Switch? Mais c'est qui ces mecs? C'est qui ces mecs? Qu'est-ce que je fous là? Comment je m'appelle? C'est qui ces mecs? C'est quoi ça? Pourquoi je peux pas regarder? J'ai envie de regarder par le truc moi. On peut pas. Mais le feu de camp est littéralement à côté, hein. Vraiment, hein. Attendez, il est où? Parce que je le vois pas. Ah, il est là. Regardez, il est juste en face. Et ils ont vraiment mis deux feux de camp côte à côte, quoi. On s'en fout, on va aller en ville. On arrive en ville. Mon ex-femme qui se pose encore en victime. Ah, vivement que je me barre. Ah, d'accord, par rapport à ça. Ah, c'est pas te barrer du stream, c'est te barrer de la situation actuelle. Ok. Bien, ce que j'ai pas dit, heureusement, j'ai preuve de ce que j'avance et des choses qu'elle a dit dans mon dos sur les forums. Sinon, en vrai, je penserais que je suis un monstre. D'accord. C'est... Ouais, non, c'est. J'imagine que ça, ouais, ça doit être super long pour toi et. Voilà, c'est encore quelques semaines et puis ça devrait être ok quoi, mais je comprends que ça soit long et chiant, mais bientôt c'est la fin. Je voulais pas acheter le super arc machin poète poète là. Regardez, il y a le précis... Ah non, le cœur de Dante... Ah, cœur de Dante-ci, oh. Parce que lui, je l'ai lui, il possédait un. Il y a la fronde super top top là, mais j'ai tellement de thunes. Mon lance-cap par exemple, je peux remplacer mon lance-cap pourri par celui-là. Regardez, lance-câble. Blême. Cœur de Dante-ci, ça fait si longtemps que ça que j'ai pas tué un Dante-ci. Il a pas dû aimer que je docke la Switch dedans sans que ce soit connecté au courant. Si, hein, ça fait rien. Au moins 2 mois, ouais. Ah merde. Le dock, s'il est pas alimenté, ça change rien si tu docks la Switch, c'est ça en fait. C'est comme s'il y avait rien du tout au bout, quoi. Bordel, Joe, quel enfer. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ah d'accord, non mais Joe, pour Johanna, d'accord. J'ai cru Joe, voilà, tu parlais de quelqu'un d'autre. C'est un circuit simple dans le... Bah oui, c'est juste un truc tout con, hein. C'est de l'USB Power Delivery dedans, c'est tout. Mais coucou Mr. Butter, merci pour le raid, merci beaucoup. Bienvenue à toi et tes viewers. On est toujours sur Horizon Zero Dawn, le meilleur jeu de la vie, hein. Vraiment meilleur jeu. Elle est vilaine, faut pas l'aimer. Tu étais sur quoi, Mr. Butter? C'est pas comme si on acceptait. Ah, donc on a les didacticiels pour les trucs inférieurs quand on en prend un supérieur. Ok, d'accord, ça marche. Je commence à... Vous avez vu? Je commence à comprendre plein de trucs, hein. À un moment, je vais devenir bon au jeu même, hein, j'imagine. Les boîtes à trésors, vas-y. Ouvre-moi ça, toi. Alors ça, je peux pas prendre. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Hop. T'étais sur Hollow Knight. Oh là là, mais non, mais faut pas me dire ça. Moi, après, je vais avoir envie de faire du Hollow Knight partout. Ça n'a rien d'étonnant que les machines soient devenues folles. Le roi Soleil Dément a perturbé l'équilibre du Soleil.
sont bizarres. Est-ce qu'il y a des gens spécial? Y a pas de gens spécial ici. Regarde ces beaux produits. Ça fait une éternité que je ne me suis pas reposé. Ok. On prend le bâton. Hollow Knight, mais vraiment quoi. Elle est pas vilaine, elle souffre en souci, je suis en train d'être parfaite. Si on se sépare, c'est principalement sur un coming out trans. On peut pas le gérer. Ouais. N'oublie pas de faire des provisions avant de reprendre la route. Ouais, je sais pas. Ouais. Mais impossible de trouver ce que je cherche. Je sais pas. Là-dessus, je t'avoue, si j'étais en sa situation, je sais pas. Tant qu'on n'y est pas confronté, je sais pas comment on peut réagir, quoi. Actuellement en train de vriller, notamment à cause des vidéos sur les possibilités et sur les pervers narcissiques qu'elle mange en boucle sur les réseaux sociaux. Mais ouais, après par contre, te faire la misère, enfin voilà, c'est... clairement c'est non, quoi. J'ai l'impression de cocher toutes les cases dans une catégorie, et moi toutes les cases dans l'autre, biais de confirmation. Qui fait qu'elle tord notre histoire, le présent, pour coller... Ah ouais, d'accord. Ouais, en fait, ouais, ok. Elle est en train de... Elle est en train de se refaire le film à l'envers, mais avec... avec une idée préconçue, quoi, en disant t'as fait ça parce que ça, et t'as fait ça parce que ça, alors que... Alors que c'était juste... Allô ? Vous avez vu ça ? Le sanglier invincible, vous le connaissez ? Regardez ! Regardez ! Dur comme du béton, hein. Dur comme du béton, le sanglier. Il résiste à tout. Voilà. Le sanglier en béton. Why not? Les pervers narcissiques vont pas aller jusqu'à transitionner pour manipuler leurs victimes. Ah ouais, on est plutôt d'accord là-dessus. Ce serait un peu énorme. Je la préparerai plus tard. La truite. Vous avez vu comment j'ai pas voulu aller sur le pont? Passe des personnes en souffrance ont enfin la chance de vivre. Ah, ces personnes veulent faire souffrir autrui, on nage en plein délire. Ouais, mais je pense que... On a tous vécu des ruptures, hein, et il y a un moment où des fois on switch et on comprend pas, enfin on comprend plus l'autre et on se dit... Ah, c'est une fleur. Et on cherche tout pour dire non, mais en fait... il ou elle fait tout pour m'emmerder, en fait. Donc si elle est en boucle là-dessus, sur des conneries comme ça, bah forcément ça se passe mal, quoi. Des veilleurs. Les gars! Bon bah... Bisous les gars, hein. Je suis pas en colère contre elle, j'aimerais juste qu'elle accepte de recevoir de l'aide d'un professionnel pour relâcher ses tensions et plus se sentir agressé dès que moi les enfants parlent. Ouais, bah ouais, mais... Malheureusement, on peut pas faire des thérapies pour les... On peut pas faire des thérapies pour d'autres, hein. C'est aux gens de... Merde ! J'ai pas pris le bon truc, c'est ça ? Si, je peux aller jusque là. Et après remonter. Mais là, il y avait une fleufleur. J'aurais peut-être dû aller chercher la fleufleur. Et là, il y a des feux de camp. Ah, oh, c'est compliqué, hein. Elle peut mal le vivre personnellement et que ça crée des conflits en soi, mais cette situation acceptée ainsi, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, je m'assois, j'attends que ça passe quand elle craque, mais c'est difficile. Ouais, non, mais. Je veux bien que t'essayes d'avoir La rupture la plus simple possible et la plus douce possible, quoi. Mais tu peux pas tout accepter non plus. Enfin, de temps en temps, faut que tu t'opposes et que tu dises bah non, enfin...
Même si t'as une personne qui réfléchit plus en face de toi, quoi. Pourquoi une petite maison ? Et il y a des fois, en fait, je comprends pas les symboles. C'est mon frère, il joue de la guitare, alors il a des symboles. Bon, faut dire que c'est joli, mais... Arrêté deux pour trouble à l'ordre public hier soir. Je préfère ne pas te raconter ce qu'ils faisaient. Ok, je pense qu'on a compris. Je pense que j'ai une bonne idée. Avec les machines ont décimé un autre village dans le sud. Soit on discutait de l'école, hein. Je lui dis qu'il y avait un souci parce que ses horaires ne lui permettaient pas 3 semaines sur 5 de les déposer et ou de les récupérer. Elle est partie en vrille parce qu'elle pensait que je disais qu'elle était incapable. Qu'elle était incapable et qu'elle ne s'en sortirait pas. Au bout de 20 minutes, elle s'est calmée. J'ai pu la rassurer sur le fait que je faisais qu'exposer un fait. Les horaires. Ah d'accord, tu parlais du truc au-dessus. Les horaires d'école et proposer qu'on trouve une solution ensemble. Ouais, elle est. Elle est vraiment sous tension, quoi. Ce qui est évidemment pas une solution. Putain, mais Aloy qui me fait rire à chaque fois. Ce qui est évidemment pas une solution via. Ah ! Un raton ! Rattrape le raton ! Il est où ? Oh putain, il est là. Il m'a bait le raton. Désolé petit raton. Dommage, il m'a rien filé de ce que je voulais, mais j'ai eu le ratou. C'est pas grave, juste fatigant. Ouais, non, mais ouais, on comprend bien, oui. C'est sur la répétition, voilà, avoir quelqu'un en face qui écoute plus et qui prend tout mal et enfin. Puis en plus. Ah, c'est les étincelles, ok. C'est oui non non je pense qu'on a tous vécu ça au moins une fois, peut-être pas à ce degré là, mais et donc là faut que je prenne par là. Si je mettais un marqueur, ça serait mieux, non? Regardez, hop, marqueur, voilà, le marqueur il est par là. Non, c'est pas par là, donc c'est à gauche. On peut faire ça ? Je viens d'apprendre un nouveau mouvement dans le jeu. No joke. Ok, je continue par là. D'accord. Marche. Ah oui, non, je sais. Je sais pour le lock, hein. C'est gentil. C'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. Mais il m'est arrivé de m'en servir. Ok, non, moi bah je vais par là.
Je vais mettre ça de côté. Ok, je continue. Nous avons toutes des vies et des épreuves compliquées. La vie n'est plus... ni plus complexe ni plus difficile que celle d'un autre. Plus différente, j'ai pas à me plaindre, j'ai des enfants formidables, un toit à manger. Oui, non mais c'est pas parce que... Oui, non mais on peut toujours trouver pire, enfin tu vois, enfin... Toujours dire, bah ouais, mais ça pourrait être ça, plus ça, quoi, donc... Celle qui a le plus besoin de réconfort, c'est pas moi, c'est Blackie, parce qu'elle est géniale avec le mérite. Mais Blackie, j'ai l'impression que ça va mieux. On a discuté un petit peu cet après-midi, ça va mieux. En plus, Blackie, je l'ai fait rire. Je l'ai fait rigoler cet après-midi, la Blackie. Mais là, elle doit être en train de roupiller devant mon stream. C'est pas une compète. Et puis en plus, c'est une denrée inépuisable. Enfin, inépuisable. Ah ouais, tu fais rire Blackie, tu zappes notre rendez-vous comme je suis jalouse. Non. Ah, désolé, hein, mais ça a duré. Ça a tellement duré. Je pensais pas que ça durerait si longtemps. Mais ouais, d'ailleurs, faut qu'on en reparle quand est-ce qu'on peut remettre ça. Mais ouais, sincèrement désolé. Hein. Si j'avais pu faire... J'avais la tête farcie à la fin. Ça va, en plus, c'est une cliente qui est sympa et tout, donc finalement c'était pas désagréable quoi, mais c'était long. Mais c'était pas désagréable. Heureusement que c'était pas quelqu'un de chiant quoi. Encore un signal. Alors oui, tout à l'heure ça allait mieux, mais t'as pas vu les derniers messages. Ah merde! Alors, je vais être re-obligé de te refaire rire. Je me rapproche du signal. C'est donc ça ma vie maintenant, te faire rire? Être un bout en train? Hop hop, t'as rien vu! Il faut que j'atteigne la tête. Comment faire? Putain, un corrupteur. Oh, oh, c'est chiant qu'elle puisse pas accrocher les bords là. C'est tellement chiant. Ah mais il y en a partout. Ils sont partout. Oui, oh là là, mais je vais épuiser toutes mes blagues de mon futur one man show. Bonjour. Oh mais non mais. Mais non. Mais comment il fait pour éviter les flèches lui? Bordel! Mais genre le mec il esquive les flèches quoi. Qu'est-ce qu'ils font ici? Parce que moi j'abandonne pas. Il est où l'autre? Ah pourquoi il est là-bas? On dirait qu'ils essaient de capturer le grand coup. Bah non. Ah non hein.
Mais il est là-bas? Ah oui, d'accord. Ok. Sinon, mon credo dans la vie, c'est en jeu comme en amour, le consentement est la clé du plaisir. On est d'accord? Coucou patatarte, coucou, comment ça va? Comme d'habitude, je reste pas sur Horizon pour pas me spoiler. Bonne soirée à tout le monde. Désolé patatarte du coup de jouer en ce moment à Donf, à un jeu que tu ne peux pas regarder, mais ça fait plaisir que tu passes. Je joue un jeu qui me propose d'être furtif et de ralentir le temps pour éviter de prendre 50 ennemis en même temps dans les dents. J'utilise pas le premier, rarement le second. Oh, c'est pas... Oh, c'est tellement pas vrai! C'est tellement pas vrai! Le ralentissement, j'arrête pas de l'utiliser là. Autant... Alors, je suis honnête, hein, quoi. Il y a des fois, il y a des trucs que j'utilise pas. Je le dis. Je le dis, je suis nul. Bah, alors là, franchement, le ralentissage du temps. Tout le temps, hein. La preuve quand il m'a détecté. T'inquiète, ça me tente de découvrir d'autres streamers. Tony... Oh, oh non. Il y a patatarte, il regarde d'autres streamers. J'arrête tout, hein. Ok. Tu stream pas torse nu, c'est interdit. Tony va dire qu'il a arrêté internet, c'est pas vrai? Je peux les voir, mais pas eux. Les autres n'ont pas de compte, hein, c'est vrai. Il est vrai. Parce que tu stream pas jusqu'à 7h30. Non. Non! 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 Appelle pas tes copains! Eh bien. C'est bien. Mais pourquoi les mecs, je les vois quasiment pas là? Comment tu montes là-haut? Comment je grimpe là? Je veux grimper. Voilà. Coucou chepanier comme on dit. Bah je sais pas par où monter. Incroyable. Il doit y avoir un truc pour monter hein, mais je sais pas où. Que je suis aveugle. Qui stream jusqu'à 7h du matin? Je ne même dropperai pas, ah ouais? Sais-tu qu'il y a un incentive à jouer furtivement? Tu pourrais avoir au moins 3 ou 4 niveaux de plus avec l'expérience bonus des morts furtives. Il est devant toi. Hein? Comment ça? Là? A priori non, vu que je suis coincé. Regarde à droite et en haut. Ouais mais je me suis déjà déplacé là.
Ah, il y a des points jaunes, mais je peux pas les atteindre, les points jaunes, si? Non? Non, je peux pas les atteindre, les points jaunes, là. Toi, héros. Oh là là, mais... Elle se fout de moi. En haut. Traverse la structure en haut. Alors, j'ai traversé la structure. Et en haut. Ah, faut que j'arrive de là-bas. Ah, faut que j'arrive de là-bas. D'accord, ok. Ça y est, c'est plus clair. Ça y est, c'est beau clair. D'accord, faut que j'arrive avec la tyrolienne. Tyrolyrolienne. Merde. C'est barré ce con. Mais montrez-vous. Montrez-vous. Venez mourir. Oh merde, oh ça, oh, c'est une connerie. Non! Merde. Oh, c'est une connerie. Oh là là, c'est Yatou. Y'a tout le monde qui arrive. Oh non, y'a le corrupteur. Oh, j'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai fait une bêtise. Il arrive. Oh là, mais j'arrive pas à les avoir en pleine tête. Évidemment qu'il cherche encore. J'ai fait le con. Oh merde, 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 merde. Avec le corrupteur, il m'a vu. Pas mort. Non mais genre il a un vital quoi le machin. Désolé hein. Tu as l'histoire du soir. Bisous Johanna, plus tard. Ah merde.
Genre. Ok. Très beau shoulder shot. Ouais, non mais je... ça fait plus mal. Ah, des flèches renforcées. Et le porte-mort. Tant mieux. Est-ce que je vais pas utiliser ça sur le corrupteur par hasard? Ça pourrait être pas mal, non? Regardez. Ah ouais? Ah ouais? Oh, il est bien lui. Oh, il est tellement bien. Parce que vous avez vu les corrupteurs, c'est comme des ennemis un petit peu balèzes quand même. Ça prend normalement un petit peu de temps pour les tuer. Et genre là, je fais papa papa papa. Et il est mort quoi. Attends, hop, je vais refaire des flèches. Non. Dommage, dommage. Oh, ils visent bien. Oh, ils visent bien les salauds. Ah, mais ils visent très bien. Voilà, dans ta tête. Aïe, éteins-toi. Qui? Oh non, mais y'a machin encore. Y'a le bot à la con, là, encore. Va-t'en, bot à la con. C'est l'endroit idéal pour sauter sur le grand coup. Qui sont les snorky? Non mais c'est le... Il y a un bot qui s'appelle Os, tout ça, et Alors ne cliquez pas sur son lien, c'est de la merde. Il ne faut pas. Il faut que je grimpe sur sa tête. Ah oui d'accord, c'est de l'autre côté déjà. Hop. Allez, on va faire un petit tour. Ok, il y a le truc de l'autre côté. Parfait. Oh, elle est douée. Elle est douée, elle est douée. Hein. Allez hop, pirate-moi ça. Tu vois, Silent, elle l'a vu. Je fais ça tous les matins à mon café, oh là là, mais quel est doué. Ah, regardez, c'est les vilains là-bas, c'est les gros. Et du coup, maintenant, j'ai accès à la zone. C'est trop grand, c'est trop grand. Regardez la taille de la... Non mais regardez la taille de la map. C'est dingue. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête de faire une map aussi grande? Vraiment. Les projecteurs. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les projecteurs tout à l'heure. J'avais dit tiens, il y a un projecteur, je sais pas ce que c'est. Je peux me téléporter jusqu'au... Ouais, je peux voyager jusqu'au machin de métal.
jusqu'au grand coup, voilà. Et il était combien le grand coup là? 17. Celui-là là-bas, il est quel niveau? On sait pas. C'est quoi le but du jeu? Tu parles du jeu auquel je suis en train de jouer là? Est-ce qu'il y a encore des méchants? Vous êtes vraiment très méchant. Vas-y, descends là. Descends là. Tu meurs pas à répétition, tu rages pas, c'est nul. Et le pire, j'y prends plaisir. Je prends plaisir à jouer au jeu, quoi. C'est non seulement je rage pas, mais en plus, j'ai un certain plaisir à jouer au jeu et à faire des quêtes et à rencontrer des gens, à développer l'histoire. Honnêtement, je le dis, hein, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'avais pas kiffé un jeu à ce point-là, quoi. Après, voilà, il y a les jeux de la vie, genre Isaac, voilà, que évidemment j'aime beaucoup. Mais là, ouais, non, Horizon. Je déconne pas, hein, je rêve. Je rêve du jeu. C'est la nuit, je fais des rêves d'animaux mécaniques. Alors que je me rappelle très rarement de mes rêves. Je me suis rappelé d'un rêve où il y avait des animaux mécaniques, quoi. Il y a des jeux qu'on aime détester et des jeux qu'on aime ton coup. Ouais, non, c'est un peu ça, peut-être. Non, parce que Isaac, je l'aime vraiment, quoi. C'est pas pour blaguer, quoi. Les flèches électriques. Allez, ravitaille. Bon, ça c'est fait. On est très content. Qu'est-ce qu'on a comme quête à faire? Bon bah un grand coup de plus, hein. Camp des bandits. Putain, ça serait bien qu'il y ait un camp de bandits dans le coin là. Je rêve d'Audrey Fleurot. J'ai rêvé qu'Audrey Fleurot jouait à Zelda. Quel champ de Goldorak. T'as vraiment des kings chelous toi quand même. Du coup, la ville du soleil, ouais, faut aller à Méridian, ok. 30. J'y suis pas encore. Par Monts et Vallons, là, c'est bien aussi, ouais. Ok. Il faudrait que je bute un... Faudrait que je bute des... Des dents de scie là. Il est quelle heure? Ah! Ça fait 1h30 qu'on y est. Est-ce qu'on n'irait pas se chercher un petit coin auprès du feu là? Quelque part. Et puis après on irait. On irait voir ailleurs si on y est. Ah mais là il y a un projecteur. J'ai envie de voir ce que c'est les projecteurs. Donc on va aller voir. En plus là il y a un marchand à côté. Et j'ai envie de vendre des trucs au marchand. Donc on va voir ce que c'est que le projecteur et puis après... on va faire une petite pause. Peut-être que j'irai manger. Aller manger, ça peut être pas mal. Bon, j'ai rien à bouffer mais... Il neige. Il fait pas très chaud par ici.
Alors, les tenues. Pas une meilleure tenue que je peux avoir? Ah non. C'est laquelle que j'ai acheté? C'est celle-là que j'ai acheté. Ah, je pourrais avoir celle-là. Qu'est-ce qu'elle me donne? Ça m'augmente. Destiné aux guerriers. Protège contre les attaques de combat rapprochés. Cœur durci, hein, une plaque de machine protège contre le gel, une tenue typique de la région. Ouais, donc là, ça protège du gel. Ça, c'est pour être discret. De toute façon, je peux pas les avoir. Celle-là, je pourrais l'avoir. Et protège contre les attaques au cac. Ah là ça me protège en fait, ouais, ça me protège un peu. Là ça me protège, ouais, au cac. Et souvent là où je meurs c'est quand je suis au cac, justement. Et j'ai, honnêtement j'ai plein de thunes, allez vas-y go. C'est parti. Hein. Ouais, les boîtes, je veux mon échantillon gratuit. Et qu'est-ce que je peux te vendre? Qu'est-ce que je peux te vendre? Échange contre des éclats de métal, vas-y. Contre des éclats de métal, vas-y. C'est tout. Ah ouais. Ah non, ça je peux vendre aussi. Alors, ça je peux en vendre plein, vas-y. Ça vaut rien, mais au moins... Ça fera ça au moins. Par contre, je suis bientôt à la capacité max de mon attirail là. Qu'est-ce que je peux mettre? Ah, mais je veux pas la vendre. Non, mais je veux pas la vendre. Je veux faire de l'artisanat là. Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Et anti-corruption, c'est pas mal. Et anti-attaque de mêlée. Anti-élec. Anti-attaque à distance et anti-feu. Anti-attaque de mêlée, anti-gel. On va mettre le corruption, attaque de mêlée. Et anti-attaque de mêlée, anti-gel. Bah, je vais être super OP là sur les attaques de mêlée quoi. Trop bien. Salut Irid. Ouais. Ah ouais, c'est Horizon, toujours, encore. Je ne m'arrête plus. J'ai tellement envie de faire que ça, de jouer au jeu. Les objets spéciaux, c'est bien, j'ai ramassé des trucs, je suis très content. Du coup là, j'ai ma nouvelle tenue. Et oui, je veux aller voir. J'avais dit le projecteur. Je voulais aller voir le projecteur. Je ne sais pas ce que c'est. Et ça m'intrigue. Vas-y, pour les flèches normales, là, c'est... A priori, il a pas appelé grand-chose, hein. Il faudrait que j'essaie le... Comment on fait pour appeler quelqu'un? Regardez, je l'appelle. Il s'approche parce qu'il est un peu con. Je peux pas le tabasser? Bah non, a priori. Il me semblait que j'avais débloqué la compétence pour le tabasser. J'ai tué mon allié? Bah non, il est là mon allié. Non, il est là.
Voyons. Bon, après, je fais mon malin, mais j'ai eu un doute. J'ai eu un doute l'espace d'un instant. Donc là, faut avancer encore. Ok. Je garde ça pour la route. Là, les deux, un. Ah. Corde filante, ok. Oh là là, il y en a un plus gros derrière. Est-ce que je vais pouvoir te pirater? Je vais pouvoir te pirater. Est-ce que je vais pouvoir te pirater? Est-ce que je vais pouvoir te pirater? Oui! Comment ça chagne là-haut là ? Ah mais c'est mon copain ça ! Merde ! Je suis en train de tirer sur mon copain. En même temps il est bientôt mort. Pauvre bête. Voilà, pauvre bête quoi. On n'avait pas à la faire souffrir plus longtemps. Hein. J'ai hâte de voir si la stratégie du canard fonctionnera à long terme. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Tout à l'heure, j'ai eu la grosse bébête là. Ha. Bon, du coup. Merde, c'est où? Il m'a évité. Pas volé celle-là. Hein. Et c'est où faut aller? Mais j'ai pas compris. C'est quoi le projecteur? Qu'est-ce qu'il fout là, l'autre là-bas là? Ah oui, c'est mon pote. Ah, il y a un truc là-haut. Je crois que je l'ai vu. J'ai trouvé un projecteur. Je me demande ce que c'était. T'as brisé le bras et la clavicule. Avant que tu rencontres Wyatt,
Ça s'est passé dans une mine derrière cette cascade. Qu'est-ce que j'étais con. Tout. C'est tout. Ok. D'accord. Et du coup, maintenant, il est marqué comme, okay, comme vu. Ok, d'accord. Bon, ça marche. Bon, ça me va. Hein. Ça me va. Ok, là, il y a une fleur. Ok, là, les statuettes, Banouk. Et ben, on va aller là, puis on ira chercher la statuette après. Allez, hop. Zbim. Non mais c'est clair que ma stratégie de foncer dans le tas de foncer dans le tas et de tabasser les grosses machines. T'as pas répondu sur Discord, pas non plus du reste. On se tente un one shot en JDR. Ah non mais moi le JDR, je vous ai dit, moi le JDR c'est non. Si tu t'aventures dans les terres au sud, prie le soleil pour ne jamais tomber sur le bol d'orage appelé Rouge Mort. Je suis jamais allé lui parler, lui. Feu Follet, je suis Jera, propriétaire de cette taverne. C'est accueillant comme endroit. Quelque chose te tracasse? Ah, je me souvenais plus. Quand non, non, mais pas de soucis. J'ai ouvert le fort, j'ai appris que mon mari avait tenté de me retrouver. Mais il est jamais arrivé jusqu'à moi. Disparu. Attends, tu as un mari? Kender, je l'ai séduit au bras de fer. Je l'ai abandonné en même temps que la requête. Des marchands de métal l'ont vu au niveau du pont près de Castle Rock. Comme je sais que tu aimes voyager, Feu Follet. Pourquoi elle m'appelle Feu Follet? Si je passe par là, je le chercherai, mais... Tu veux vraiment le revoir, Jera? Tu t'es déjà levé un matin, sans avoir les réponses à tes questions? Tous les matins. Moi, faut que j'aille au fort pour refaire mes stocks. Sois bien prudente. Allez hop, je sauvegarde. Et ça va être la fin pour toi, YouTube. Des bisous.